Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end et puis que tout va bien pour vous, en tout cas. Je reviens aujourd'hui avec un tirage. J'avais pas trouvé le thème et c'est l'info qui me l'a donné. Puisqu'en fait, c'est pour le journaliste d'EBF, hein, qui a été tué hier dans le Donbass d'un éclat d'obus. Donc l'info, évidemment, est arrivée comme étant quelque chose de complètement scandaleux, voilà, c'est immonde, tout ce que vous voulez. Sauf que dans l'article de l'Indépendant, le journal de l'Indépendant, on parle de ce monsieur comme étant peut-être pas forcément quelqu'un de très honnête. À savoir que Andrei Marocco, donc un officier de la milice populaire de Louhansk, dit que ce journaliste livrait des armes et des munitions à l'armée, aux armées de Luc, hein. Donc, qui permettait en fait les carnages et tout ça. Et moi, ce qui me fait un petit peu écho dans ma tête, c'est que dans les propos de ce monsieur, donc de ce Andrei, il reprend beaucoup d'éléments qu'on entend parler dans les, vous savez, dans les vidéos des personnes qui ne sont pas médiatiques. Donc les gens qui font des reportages, voilà, qui retracent ce qui se passe réellement là-bas. Et quand ce monsieur-là, Andrei, parle de bouclier humain, parle de torture, parle de tout ça de la part de l'armée de Luc. Bon, ça résonne un petit peu en moi puisque c'est à peu près les infos que l'on peut avoir quand on a des personnes qui donnent des infos vérité a priori. Hein. Il y a toujours, voilà, on peut toujours pas toujours savoir qui est sincèrement honnête. Voilà, malheureusement, il y a toujours des. Même s'il y a 80% de vérité, des fois il y a 20% de mensonges. Donc voilà, le 100% de vérité, c'est un petit peu en pénurie de nos jours, on va dire. Donc voilà, donc du coup, comme j'en ai parlé avec, pardon, avec maman, qui elle regarde la télé mainstream et que du coup, avec le recul qu'il faut, puisqu'évidemment elle ne se laisse pas endormir, hein, parce que comme j'ai déjà dit, quelqu'un d'éveillé ne se rendormira jamais, c'est terminé, c'est mort, une fois réveillé, c'est réveillé. Et du coup, elle m'a dit, ah écoute, c'est pas comme ça qu'on en a parlé, ça me fait, du coup, je sais pas trop quoi penser. Alors je lui dis, peut-être que je vais faire un tirage sur ce thème-là. Elle me dit, ah oui. Elle m'a dit, là, ça m'intéresse vraiment de savoir ce qu'on peut te répondre. Donc du coup, voilà, vous avez l'historique de pourquoi le thème d'aujourd'hui, toujours dans le, comment dire, de façon concise, hein, vous me connaissez maintenant. Ah oui, je vais vous raconter juste un petit truc parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon gros bébé de 32 ans. Et donc hier, je suis allée faire des courses pour voilà, un préparatif d'aujourd'hui. Et je suis tombée. Alors déjà, il y a beaucoup de manque dans les rayons. Et j'ai voulu acheter du soda. Je dirais pas la marque parce que c'est pas la peine de faire de la pub. Et en fait, j'ai fait les quatre supermarchés de mon voilà, qui sont autour de chez moi et il n'y en a plus. Nulle part. On ne trouve plus cette marque de soda-là. Donc, je vais voir le monsieur qui est en train de faire le facing, enfin, qui a rangé le rayon des jus de fruits. Et là, le monsieur est déjà agressif. Il me dit, c'est pas mon rayon, moi, je suis au rayon des eaux. J'ai dit, oui, mais là, vous êtes au jus de fruits. Ben oui, mais c'est les rayons des eaux. Ah, d'accord. Donc, les eaux et le jus de fruits, c'est le même rayon. Oui, madame, d'accord. Donc, vous pouvez pas savoir pour les sodas. Non, c'est pas mon rayon. D'accord. Et donc je lui dis, je cherche ça. Donc il va dans le rayon comme j'ai fait. Hein. Il me dit, ah ben non, il n'y en a plus. Je dis, mais ça, pour faire ça, c'était pas la peine, je viens de le faire. Donc sinon, je serais pas venu vous ennuyer en vous demandant s'il y en avait derrière, hein, éventuellement. Et du coup, le gars, il me sort cette phrase magnifique. Il me dit, oh, vous savez, en ce moment, avec ce qui se passe dans l'Est de l'Europe, oh là là, il nous manque beaucoup de choses en magasin. Alors je dis, ne me dites pas que ce soda-là, il est fabriqué en Ukraine aussi. Il me regarde, il me dit, non, mais vous savez, Poutine, c'est un monstre, parce que Poutine, il va nous empêcher de manger, parce que Poutine, il va venir tous nous tuer, et parce que Poutine, à cause de lui, à la fin de l'année, on n'aura plus d'essence, non, de gasoil, pardon, on n'aura plus de gasoil.
Et là, je regarde, j'ai fait « Ah ouais !» Je dis « Vous, vous regardez la télé ?» Il me dit « Ah oui, hein !» « Ah oui, tous les soirs, j'arrive, j'allume. » J'ai dit « Ne me dites rien, BFM. » Il me dit « Oui, c'est les meilleurs. » Ah ben, j'ai dit « Oui, c'est les meilleurs, c'est sûr. » Bien sûr, pour ce que ça vous fait, oui, c'est les meilleurs, on est d'accord. Là, je ne vous contredirai pas. Et du coup, je lui dis « Mais vous savez, vous êtes dans le faux. Poutine n'est pas quelqu'un de mauvais. C'est plutôt... le Z qui est voilà le zèbre les ailés hein qui est une pourriture quoi. Et là il me regarde, il me dit non mais n'importe quoi. Je dis vous savez monsieur pour la sauvegarde de l'humanité, éteignez votre télé et allumez votre cerveau. Et là je suis partie parce que j'étais à deux doigts d'exploser des nerfs parce que le gars était tellement mais oh, mon Dieu ses propos mais et encore j'en ai oublié la moitié. Et il y avait à côté de moi, il y avait un monsieur dans le rayon avec un caddie avec un petit dans le siège du caddie, vous savez, donc un petit tout. Et au début, il était assez loin de moi, puis il s'est rapproché au fur et à mesure que la discussion avait lieu. Et je le voyais sourire. Et à la fin, quand je lui ai dit au gars du magasin, je lui ai dit « Éteignez la télé, allumez votre cerveau ». Là, il a clairement éclaté de rire. Et je pense qu'il était éveillé, ce monsieur, et que ça lui a plu d'entendre un échange qui peut-être résonnait en lui aussi. Donc, non, mais vous voyez quand même, c'est inquiétant. Parce que quand vous voyez un peu les propos de ces gens-là, tu dis « Oh là là, mais c'est pas vrai. C'est un truc de ouf ». Donc voilà, donc voyez comment on peut manipuler les gens avec de l'information. Donc là, c'est pour ça que cette question-là m'intéresse, parce que ça peut être de la manipulation dans les deux sens. Il faut rester magnanime et ne pas de suite... voilà. On va demander en un premier temps qui est ce Frédéric. Voilà, on va faire un petit tableau du Frédéric. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme jeu ? Alors, on va commencer avec un petit tirage au tarot de Marseille. Allez, on va voir qui est ce Frédéric. Alors, je vais peut-être prendre la photo, hop là, devant moi, comme ça je verrai ce monsieur. Alors, il est là, ok. Hop. Je vais le mettre là, voilà, comme ça je peux le voir. Très bien. Allez, on va voir qui est ce Frédéric. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui concernant ses actions, qu'est-ce qu'il faisait là-bas, qui il est, est-ce que c'est quelqu'un de bien, de pas bien, voilà. Allez, on va faire une petite coupe. Allez, Frédéric, qui est-il ce Frédéric? Alors, on a la lune. La lune, alors je sais pas comment j'ai fait comme ça, ouais, la lune, et on a le monde, bon. Alors l'accomplissement, le bonheur, la réussite, l'harmonie, et la lune, c'est tout ce qui est intuition, tout ce qui est psychisme. Donc il y avait quelque chose, il a peut-être eu une victoire concernant des problèmes psy, ou des choses qui peut-être l'ont perturbé, voyez, les choses qui ont interagi dans sa vie. Allez, Frédéric, qui était ce Frédéric? S'il vous plaît. Alors, hop là. Eh ben. Alors, on a la lune renversée. Bon. Peur, nostalgie, secret et doute. Alors, est-ce que tout à l'heure, elle était à l'envers? Je ne suis pas sûre. La coupe, j'ai fait comme ça. Normalement, non. Mais bon, là, elle est à l'envers, la lune. Donc, on nous parle quand même de notions, quand même de troubles hein, dans sa vie, des choses... Il avait quand même une... il était dans la peur. Il avait des secrets. Il avait des doutes. Il n'était pas... Voilà. Et ici, on a la justice renversée. Donc, la justice... Il y a des condamnations, des incertitudes. Il y avait des choses contre lui, peut-être. Ou des choses qui commençaient à se savoir, peut-être. Hop là. Zut. Je ne sais plus dans quel sens c'était. Le pape. Le pape.
Je sais plus dans... je sais pas, ça m'embête, je sais pas dans quel sens il était. Parce que là, ça peut être positif comme négatif, puisque le pape à l'endroit, c'est de la spiritualité, c'est de la sagesse, c'est de la clairvoyance. Mais par contre, à l'opposé, c'est de la stagnation, du manque d'assurance. Bon, je vais en prendre une autre par-dessus, parce que du coup, je ne sais pas. Voilà, on a l'étoile renversée, du coup. Donc, inertie, méfiance, malchance, déséquilibre. Donc, vous voyez, c'est vraiment, je pense qu'il devait être à l'envers. Bon, je ne vais pas le prendre en compte, parce que du coup, je ne suis pas sûre, mais voilà, je le remets ailleurs. Voilà, on va prendre celle-là à la place. Alors, là, on a la force. Dans la réponse à la question, on a la force. Donc, c'était de la détermination. Hein. Il y avait une forme de détermination chez lui. Et là, en synthèse, on a le soleil. Donc, le succès, la paix... Alors, est-ce qu'on nous dit que du fait que... Alors, moi, ce que je comprends peut-être, c'est que ce qu'il faisait, peut-être qu'il ne le faisait pas, s'il le faisait réellement, pour l'instant, on n'a pas de certitude encore, mais ce qu'il faisait, s'il le faisait, c'était pas parce qu'il voulait le faire. C'était peut-être que pour lui, le fait de ne plus être en vie, quelque part, d'être parti dans un autre monde, il est libéré, comme libéré de toute pression. Ouais, moi je le ressens comme ça. Hein. Moi je le ressens comme ça. Comme s'il y avait une. Il était en paix maintenant en fait. Vous voyez? Bon, on va recouvrir, on va voir ce qu'on nous dit. Alors sur la Lune, on a l'impératrice. Donc l'intelligence. Et le pouvoir. Donc il avait peur de quelqu'un de pouvoir. Ou c'était quelqu'un de pouvoir qui faisait peur. Mais je pense pas, parce que je crois pas qu'il soit de pouvoir cet homme. Là, a priori, il avait... Alors je vais en rajouter une tout de suite. Ouais. En fait, il venait juste de rentrer dans ce système-là, en fait. Comme si on venait de l'embrigader. Ok. Et là, sur la justice, on a le jugement renversé. Blocage, échec, retard. Donc, en fait, il a été condamné et bloqué. Ok. Alors, sur l'étoile renversée, on a la papesse. Il y a quand même la spiritualité, donc je pense que peut-être cette carte, c'était bon. Hein. C'est que lui était dans la spiritualité, peut-être. Hein. Parce que là, on nous reparle de spiritualité avec la papesse. Hein. Fécondité, amour et spiritualité. Est-ce que lui... attendez, je suis en train de comprendre. Je pense que lui, ce qu'il a fait, s'il l'a fait, encore une fois, c'est peut-être parce qu'il pensait faire les choses pour du juste, voyez. Il pensait que ses actes étaient justes, puisqu'il apportait le soutien aux gentils. Vous voyez? Est-ce qu'il aurait été trompé? Ça m'étonnerait quand même qu'il ait été aussi naïf. Ou alors c'est nous qui sommes dans le faux, peut-être aussi. Pourquoi pas? Pourquoi on ne serait pas dans le faux, voyez? Peut-être que, effectivement, le zèbre, c'est quelqu'un de bien et le poupou est un pourri. Voilà, mais bon, moi, je ne pense pas comme ça, mais... Peut-être que pour lui, c'était le cas. Alors, là, on nous parle d'harmonie, de patience, de douceur sur la force. Donc là, on nous parle de quelque chose qui a été fait dans la force, dans la motivation exagérée, on va dire ça comme ça. Hein. Une détermination. Mais en même temps, on nous dit quand même qu'il y avait...
une harmonie, une patience, quelque chose qui était fait. Alors c'était le début, peut-être que c'était que le début, et que du coup il y avait un travail à faire. Ou alors on nous dit que le fait que ça soit peut-être révélé, ça va commencer peut-être à si ça se sait dans les mainstreams, à comment dire, à éveiller encore. Hein, bon, là on a l'empereur à l'envers sur le soleil. Tyrannie, domination, indécision, instabilité. Donc nous, on nous dit que sa perte, alors soit on nous parle de sa perte qui est un succès, qui est quelque chose de très positif du coup, soit on nous dit que lui, il pensait agir pour le bien. Alors, on va poser la question autrement. On va poser la question autrement. On va demander une question claire et précise. On va demander qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait au Donbass, en Ukraine. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Qu'est-ce qu'il faisait. Quelle était son action, le motif de sa présence là-bas. Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas, réellement. Pas médiatiquement, mais réellement. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Ah. Allez, on va faire la coupe. Donc là, on a le jugement renversé. Donc des blocages, des échecs, des retards. Donc il était là-bas pour bloquer quelque chose. Et là, on a l'empereur. Il bloquait une action, une autorité. Il bloquait en fait... d'accord. Alors, mais de quel côté il était du coup? Allez, qu'est-ce qu'il faisait vraiment là-bas? Qu'est-ce que c'était ce... Oula, ça y est, j'ai perdu son prénom. Frédéric, pardon. Qu'est-ce que Frédéric faisait en Ukraine réellement? Quelle était la raison de sa présence là-bas? Là, on a la roue de la fortune inversée. Donc là, c'est l'instabilité, le retard, la chute et le coup du sort. Donc là-bas, il était pas là pour des bonnes raisons, en tout cas. Regardez, la mort renversée en obstacle. C'était par rapport, il y avait une résistance, une forme de résistance. Donc il était là-bas pour la résistance. D'accord. Donc la résistance à ce qui se passe, la résistance, c'est forcément les UK. Hein. Il était là-bas par rapport à des blocages. Il y a beaucoup le mot blocage qui sort quand même dans son tirage à lui. Hein. Là, on a le pape renversé maintenant. Donc, les blocages encore, hein, la stagnation, la rigidité, le manque d'assurance. Là, on a le pendu. Donc là, c'était une... alors, on a le mot sacrifice. Hein. On a aussi l'attente, la gestation. Alors, je vais en mettre une suite dessus. Et là, on a l'amoureux. Donc, l'amoureux, c'est quelqu'un qui n'est pas décidé, qui a des choix, qui a des désirs aussi. Qui doit prendre des décisions et qui a des conséquences aux décisions. Donc, sur le pendu, on nous dit quand même qu'il y avait des décisions à prendre, mais qui demandaient beaucoup d'intuition, en fait. Très bien. Et en synthèse, on a le monde. Bon. Donc là, c'est l'accomplissement, le bonheur, la réussite et l'harmonie. Alors, est-ce qu'il était... il était là-bas pour... attendez, on va en mettre une autre. Ah, j'en ai deux qui sont venus. L'ermite et l'étoile renversée. Alors, l'étoile est encore renversée. Donc là, c'est la méfiance, la malchance, le déséquilibre. Et l'ermite, lui, par contre, c'est la maîtrise, l'équilibre, la droiture. Donc là, il y avait une notion de blocage, de malchance, de déséquilibre sur quelque chose qui, de base,
de base est quand même quelque chose qui demande de la patience. Bon. On va voir avec un autre jeu. Moi, je maîtrise pas trop le tarot. Je fais des lectures carte par carte, mais après, c'est vrai que les associations, il faut que je travaille. J'ai pas encore. Voilà, tarot de Marseille, il faut. Ouais, y a Margot qui est une experte, qui voilà, qui pour moi est. Je bois ses paroles parce que je sais qu'elle lit, elle connaît l'art du tarot de Marseille, en fait. Je bois un coup, excusez-moi. Très bien. Allez, on va voir avec le grand était là, du coup. Hop là. Allez, je vais les mélanger puisqu'il y a deux sens de lecture pour ce jeu-là aussi. Allez, qu'est-ce que faisait ce Frédéric là-bas, réellement? Quel était le motif de sa présence là-bas? Le motif réel. Allez, s'il vous plaît, une réponse claire, nette et précise. Que faisait Frédéric là-bas? On a la duperie et on a le pouvoir. Donc pour duper le pouvoir, ou c'est le pouvoir qui le dupait, ou il servait à duper quelqu'un pour le pouvoir. Bon, on va voir. Allez, on va faire un tirage en croix. Que faisait Frédéric là-bas, réellement? Quel était le vrai motif de sa présence? Donc là, on a l'idéal, on a le sage avis, on a la trahison, on a le soulagement, on a la fortune. Bon, on va le recouvrir tout de suite. Moi, j'en ai deux qui sont venus là. Non, elle va là, pardon. Alors, sur l'idéal, on a la maladie et la discussion. Bon. Sur l'idéal, la maladie, la discussion. Donc, ce qui concerne, tout ce qui concerne, je pense, le sanitaire actuel, peut-être, hein. L'opulence, d'accord. Donc, l'opulence, c'est 5 de bâton. Donc là, c'est la compétition, c'est la mésentente. Donc c'était, il y avait, bon, on va pas prendre comme maladie, on va le prendre comme un malaise. Il y avait des discussions houleuses, puisque là, on a une notion en fait de compétition et de mésentente avec le 5 de bâton ici. Avec l'étranger, on est d'accord, ok, mais encore. La séparation. Alors, une séparation. Ok. Alors, j'ai une intuition qui vient, mais je vais attendre un peu. Oui, bah écoutez, je crois que c'est ça. Parce que là, on a le valet de coupe. Et le valet de coupe, c'est tout ce qui est bienveillance, les nouvel amours. Donc, moi, ce que j'ai là, pour moi, dans cette main-là, dans ce jeu-là, on me donne comme info qu'il est parti avec un idéal en tête. Mais en fait, quand arrivé sur place, il y a une sorte de malaise parce qu'il s'est rendu compte de beaucoup de choses, où il a compris des choses. Et du coup, il y a eu des discussions houleuses avec une notion de discorde par rapport à l'étranger. Et du coup, il a vécu comme une séparation en fait entre les gens qui l'ont envoyé là-bas et lui, parce que lui, en fait, il a découvert en fait la réalité et il est allé dans un nouvel amour, c'est-à-dire il a porté son soutien à l'autre camp. Bon. Sur Sage Avis, donc Sage Avis, en fait, voilà, ça revient à peu près à ce qu'on vient de nous dire là, puisque Sage Avis, ça veut dire des informations avec sagesse, donc avoir un avis sage, c'est-à-dire avoir une compréhension avec sagesse, donc avec intelligence et analyse, d'accord?
Et là, on a une action. Ben, c'est ça, en fait. Il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Très bien. Là, sur la trahison, il y a les pleurs. Alors là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, c'est le 10 d'épée. Donc là, c'est la fin, la douleur, la défaite, l'échec, la trahison. Voilà, c'est ça, en fait. Il a découvert. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il a découvert, en fait, la réalité de ce qui se passe là-bas? Ouais. Il a parlé avec la population, en fait. Il a vu avec la population ce qui se passait réellement. Et donc, du coup, il a bloqué les choses. Là, on a le 9 de bâton. Donc là, il était sur la défensive, du coup. Parce qu'il a vu ce qui se passait, il a compris la manipulation, en fait. Voilà, par rapport à l'entourage, aux gens qu'il a fréquentés là-bas. Hein. Il a compris, en fait. Hein. Voilà, il a eu des soupçons, vous voyez. C'est ça. Alors, il a peut-être pas été... Il a peut-être pas pris un obus par ce que l'on croit, on va dire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, sur le soulagement, on a l'économie. Et là, c'est le 4 d'épée inversé. Donc là, c'est l'agitation et l'anxiété. Donc là, en fait, on nous dit peut-être que ces réponses à la question, il a été soulagé peut-être de... Il s'est tellement retrouvé dans une situation inextricable que peut-être qu'en fait, il a éprouvé un soulagement que tout s'arrête. Que là où il est aujourd'hui, il est soulagé. Parce qu'il s'était retrouvé vraiment dans une situation plus que délicate, en fait. Voilà. Parce qu'il avait compris des choses, mais quand il rentre à la maison, il ne pouvait pas agir comme il devait agir à présent. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses avaient changé pour lui. Et là, sur la fortune, il y a la prison. Alors, la prison pour qui? Pourquoi? Pour lui? Fin de tracas. Ouais, il était enfermé, c'est ça. Hein. Il était enfermé dans une situation et là, il n'a plus de tracas, en fait. Hein. Il n'a plus de tracas. Bon, la femme riche, ça ne veut pas dire grand-chose. Quoique si, c'est quand même la dame de denier. Donc là, c'est le confort du foyer, c'est l'ancrage. Par rapport à l'ancrage, par rapport à sa façon de voir les choses à présent, vous voyez, il ne pouvait pas faire d'arbitrage, en fait. Il aurait dû faire un choix et ces choix, ils étaient trop, trop compliqués pour lui. Il était trop... voilà, il a trop touché d'argent. Il a trop fait de choses sans comprendre qu'il le faisait mal. Vous voyez, regardez, au moment où je dis sans comprendre, il me sort de l'ignorance. Voilà. L'ignorance est dans l'inverse, à l'envers, c'est d'autre côté, c'est les soldats, pardon, les militaires. Excusez-moi, je bug. En plus, là, c'est le cavalier d'épée, donc là, c'est s'imposer, se faire entendre. Mais inversé, c'est les mots blessants, le manque de réflexion. Ouais, c'est ça en fait. C'est qu'il a accepté de l'argent par ignorance parce qu'il n'a pas su ce qui se passait. Et du coup. Ben là en fait il était malheureux du coup quand il a compris puisque là on a le 1, 2, 3, 4 5, 7, 8 8 de coupe partir voilà et il voulait partir il voulait quitter en fait hein. Voilà bon ben écoutez je pense que cet homme effectivement était peut-être parti avec des intentions peu louables on va dire parce qu'il était dans l'ignorance. C'était pas quelqu'un de foncièrement d'aigle, crade, mais il a été induit en erreur. Et du coup, quand il s'est rendu compte de la supercherie, c'était pas la même, quoi. Voilà, c'était pas la même du tout. Alors, maintenant, on va demander qu'est-ce qui s'est passé. Hop. On va demander qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour-là. Ce jour-là, donc le lundi 30 mai, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour cet homme? Non, là, c'est un paquet trop disparate. Allez, on va faire une coupe, s'il vous plaît. Non? Ok, bon. Donc là, on a la carte des enfants. Donc les enfants, ça peut être l'innocence également. On a la couronne. Ok. Oula. Alors, celle-là en premier.
on a bombe catastrophe et on a gouvernement dirigeant. Bon. Ben voilà ce qui s'est passé. Je pense qu'il a vu des choses qui avaient en lien avec ça. Peut-être aussi par rapport au corona, on pourrait dire, mais bon, par rapport, on va dire, à la... Parce que là, les deux trucs du dirigeant sont là. Donc là, peut-être que... On peut dire ce qui couronne le tout, en fait. Vous voyez, un petit peu, il y a le dirigeant de là-bas, mais il y a surtout tout ce que ça représente. Parce qu'il n'y a pas que le zèbre, hein, il y en a plein. Hein. Alors, ben voilà, regardez. Meurtre, média sur les enfants. Voilà. Donc, il a appris peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont déformées par les médias, par les informations concernant les meurtres d'enfants. Quand on voit les infos, qu'on nous dit que c'est les que c'est ceux du pays de l'ours qui le font, alors que peut-être que c'est pas le cas. Regardez, sur la royauté, on a la civilisation pyramidale, vous voyez. Donc là, on vraiment nous parle du pouvoir. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa mort? Qu'est-ce qu'il a découvert? Ben voilà. Vous voyez. Vérité, révélation sur les bombes et catastrophes. Donc, sur tout ce qui se passe, en fait, il a appris la vérité ce jour-là. Et là, gouvernement nous parle d'alimentation. Alors, pourquoi alimentation sur gouvernement et dirigeant? Allez, pourquoi? Pourquoi cette carte, s'il vous plaît? Alors, lobby, réseau et maçonnerie, d'accord. Ben, alors, l'alimentaire, vous savez, on parle d'une pension alimentaire. Donc, c'est, on peut considérer, ben, quand on est être payé en nature, peut-être, voyez, on peut penser comme ça aussi, de la part de la maçonnerie, de la part de... Voilà. Donc, est-ce qu'on nous parle, parce que je n'ai pas la carte des armes, est-ce qu'on nous dit que ce sont des dirigeants ou des gouvernements qui l'ont mandaté pour fournir les munitions, hein, on va dire ça comme ça, parce que ces gens-là travaillent dans des lobbies et dans des réseaux, vous voyez. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai compris? Oula, il y en a deux. Ben regardez, c'est ça. On nous dit qu'en fait, depuis la France, en fait, il y a des choses qui ont été... dans le passé, ou qui sont peut-être des ordres écrits, peut-être également, ou des... Alors vraiment, on parle vraiment de la France, hein, vraiment. Hein. Voilà, minorité étrangère. Donc en fait, il y a des choses de la France, mais qui viennent aussi de l'étranger, ou qui concernent l'étranger. Bon ben voilà. Les deux qui sortent en même temps, ça s'invente pas, hein. Bon, ben, c'est la France et c'est l'Europe qui, en fait, sont dans cette mouvance-là, hein, d'accord? Et qui, en fait, ben, l'ont mandaté. Il a compris, en fait, qui étaient les gens qui soutenaient jusque-là, en fait. Hein. Voilà. Pour la paix et la liberté. Ça, ça ressort tout le temps, la paix, hein, dans son jeu. Je pense vraiment que cet homme, il s'est retrouvé dans une situation... tellement étouffante et inextricable que cette issue-là était pour lui ben, la seule solution pour être en paix, en fait. Hein. C'est malheureux, hein. Voyez, regardez. Pour être tranquille. Hein. Ouais. Alors, en tout cas, vous remarquerez que la carte de la Maison Rouge, hein, qui aurait pu être ben, sortir... comme étant les responsables de sa mort, n'est pas sorti. Hein, je vous le... Alors, je cherche la carte pour les personnes qui ne connaissent pas ce jeu. Non, ça, c'est la Chine. Ah, je ne l'ai pas vu passer. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ça, c'est les jeux que j'avais, les cartes que j'avais. Alors, voilà, celle-ci. Celle-ci aurait pu sortir. Mais ça n'a pas été le cas. Donc... Moi, ce que je comprends, c'est que cet homme, en fait, est allé là-bas
avec une idée en tête qui lui paraissait être juste, pour une cause juste, et en fait il s'est rendu compte de la duperie une fois arrivé sur place. Et comme c'était quelqu'un de peut-être qui était foncièrement bon au fond de lui, voilà. Alors, on a la nouvelle. Alors, est-ce qu'on va la prendre tout ça? Hop là. Alors là, on a les procès, on a l'infortune et on a le cloître. Oui, ben écoutez, vous savez quoi? On va le savoir tout ça. Justice sera rendue pour cet homme, je pense. Parce que quand on fait les choses dans l'ignorance, on ne peut pas être... comment dire? On ne peut pas être blâmé à la hauteur de quelqu'un qui le fait en conscience. Donc là, on a l'élévation, on a l'amour, on a l'intelligence et on a le changement. Ben oui. En fait, il était en train de... Il s'est éveillé, en fait. Et du coup, il a réfléchi. Et il a changé. Tout simplement. C'est ça. Bon. Mais écoutez, je sais pas. Je pense qu'on va peut-être pas creuser plus puisqu'on a eu vraiment la... Je pense la réponse à la question. Ouais, je pense qu'on va... Allez, on va prendre quand même un dernier. On va prendre trois cartes avec ce jeu-là. Hop là. Là, on a le spectacle. Donc, sport, exhibition, divertissement, show, comédie, représentation. Allez, sur Frédéric. Ah, j'en ai une à l'envers. Dedans. On a la régression, déclin, dégénérescence, décroissance, déchéance, décadence, détérioration. Ben, en fait, dans le spectacle, on peut considérer que ce soit son métier, puisque lui, il était caméraman, je crois, de mémoire. Donc, il était dans la représentation des choses. Hein. Et là, en fait, il a compris que c'était qu'il y avait une décadence, une détérioration de l'information, en fait, des images qui n'étaient pas forcément... à prendre au premier degré, parce que tronqué ou manipulé, voyez, par les politiques, parce que la politique est pourrie, qui s'est rendu compte de la manipulation pour le gouvernemental ou voyez, du pouvoir en tout cas, puisque bon, on sait très bien que le pouvoir est au-dessus du gouvernement de toute façon, donc allez. Ben, j'en avais dit 3 et puis finalement j'ai continué. Et là on nous dit qu'il a appris des choses. Il a appris des choses et du coup il a peut-être fait filmer des choses. Oh là là. Il a filmé des choses qu'il ne fallait pas, qui auraient pu créer de la réflexion ou demander en fait une analyse par rapport à des images qu'il a filmées. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est bien ça? Voilà, réparation. Donc là, il a voulu réparer la vérité, en fait. Et il a eu un choix à faire. Et visiblement, il n'a pas fait le bon choix. Parce qu'on l'a éliminé. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les pourris qui l'ont éliminé parce qu'il avait compris la vérité et qu'il allait être dévoilé la vérité? Est-ce que c'est ça, mes guides? Alors, celle-là est venue toute seule. Donc là, on a la pauvreté, on a l'industrie, on a la campagne et on a la sécurité. Voilà, pays, terroir, sécurité. Qu'en fait, c'est du business. Que tout ce qui se passe, toute la misère, la détresse, la pénurie, tout est fabriqué. Tout est fabriqué, en fait. Et qu'en fait, par rapport au pays, hein, les pays devraient être en sécurité. Et en fait, il y a une notion de sécurité en réalité par rapport à ce qu'on nous dit, c'est-à-dire qu'on devrait manquer de rien normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Est-ce que c'est le gouvernement, enfin les gens qui manipulent,
l'information qui l'ont fait partir, qui l'ont supprimé, s'il vous plaît. Là, on nous parle d'accident, insécurité, mésaventure, incident, imprévu, dérapage, collision. Alors, est-ce que c'est vraiment un accident? Peut-être. Hein. Je ne sais pas si dans ce jeu-là, j'ai quelque chose qui pourrait... Oui, j'ai. Allez. Est-ce que cet homme a été médecine, maladie, richesse? Bon, mais regardez ce qui nous sort. Les trois ensemble, ça fait peur quand même. Donc, je pense qu'il a vraiment, compris beaucoup de choses. Il a compris beaucoup de choses, cet homme. Est-ce qu'on l'a éliminé volontairement pour le faire taire? La défaite, échec, chute, déroute, abandon, fiasco, modification. Guerre, attentat, guet-apens, combat, agression, violence, armée. Non, je pense qu'il a vraiment, pris un obus accidentellement, mais de toute façon, il est allé là-bas faire ce qu'il fallait faire, comme on lui a demandé de le faire. Sauf qu'arrivé sur place, il s'est rendu compte qu'il n'agissait pas pour les, gentils. Il n'a pas... qu'est-ce que je pourrais prendre comme jeu aussi? Je voudrais avoir la certitude. Est-ce qu'il a été éliminé par notre côté à nous? Période transitoire. Lumière sur votre créativité. Loup solitaire. Il y en a beaucoup là. Discernement, clarté d'esprit, ne cédez pas à la panique, temps de réflexion nécessaire, confidence. Bon, ben, vous savez quoi? Je pense qu'on ne veut pas forcément nous répondre. Alors, ce jeu ne parle pas. Je vais essayer avec un dernier. Je vais essayer avec le... qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais prendre la triade, tiens. Hop. On va terminer avec la triade. Allez, avec la triade. Qui est-ce un accident ou est-ce un meurtre pour Frédéric? Est-ce qu'il a été tué ou est-ce que... bon, on va garder ces cartes-là. Donc, on a le message, on a le silence, on a la réussite, on a la science, on a l'éternité, on a le pardon, on a le sceau et on a les racines. Alors, bon, déjà, le message... c'est des nouvelles. Donc déjà, tout à l'heure, on l'a eu. Donc il va y avoir, et effectivement, soit on va l'apprendre, soit c'est une question d'entente. Une entente qui a été faite par cette personne avec quelqu'un d'autre. Là, sur le silence, on nous parle de mystère, de prélude à la révélation. Donc des choses qui vont peut-être être par rapport à une réussite ou qui va créer une réussite en lien avec la science. Donc, tout ce qui est médecine, hein, le savoir, hein, d'accord? Là, on nous parle de l'éternité. Ensuite, on a l'éternité. Donc, l'existence, la solution des conflits. Là, on a le pardon. Alors, peut-être que lui, il aurait aimé peut-être... est-ce qu'il avait le moyen ou est-ce qu'il a vu qu'il y avait moyen que ce soit la fin des querelles s'il y avait de la bonne volonté d'un certain côté, c'est-à-dire du nôtre, voyez? Parce qu'il y a eu des contrats, hein, il y a eu un... Bon après, vous savez, cette carte pour moi c'est le nom aussi, hein, mais il y a eu des contrats, des pactes, il y a eu des signatures de fait. Et là, on nous parle de racines. Donc, les racines, c'est tout ce qui est à l'origine d'eux. Hein. Donc, est-ce qu'on nous dit que ce conflit est en lien avec des contrats signés, des accords passés? Et que lui, il aurait pu le voir, le savoir?
Alors, il y a une femme à l'étranger. Une femme à l'étranger. Ou une femme avec qui il était en communication ou qui va peut-être communiquer. Ok, alors sur le silence. Non, vous savez quoi? Je vais les tirer. Et puis après, je vais demander avec le pendule parce que j'ai pas de certitude sur les réponses. Et celle-là qui voulait venir aussi. Alors, sur le silence, on nous parle d'une porte. Alors, on est pas loin de changer de, comment dire, de changer de vision des choses ou d'apprendre des choses qui vont nous faire changer d'avis ou changer d'avis de majorité par rapport à des révélations peut-être. Là, la réussite, c'est sur l'amour. Voilà. Donc, on nous dit que là-bas, c'est sur le point de se finir en fait, hein. Et que y a des choses qui vont être sues concernant tout ce qui est dans la science. Là, il y a une notion de tentation. Des tentations par rapport à la solution des conflits. Donc là, il y a des rivales. Hein. Et il y a une possibilité que les conflits s'arrêtent. Mais il y a une forme de rivalité. Voilà. Et là, le pardon, il y a les émotions. Donc là, sur... zut, ça y est, j'ai perdu le mot. Sur la fin des querelles, on nous parle de beaucoup de liens avec l'eau, avec la créativité, la fécondité, la terre, une purification par rapport à la situation et par rapport à la façon de ressentir les choses également. Et là, c'est un contrat d'âme, d'accord. Donc là, il a eu un contrat d'âme, peut-être. Et il a eu l'erreur de... L'erreur a été le sacrifice. Il s'est sacrifié par erreur, en fait. Comme si, en fait, dans le passé, il avait peut-être cru des choses et du coup, ça a été un sacrifice, mais ce sacrifice a été une erreur. Ou alors, il a donné sa confiance plutôt à des gens, comment dire, qui n'étaient pas dans le juste, voilà. Donc il a fait confiance aux mauvaises personnes. Voilà, et là on nous parle de bénédiction. Donc là vous voyez dans la main il y a quand même l'oméga, hein, donc la fin. Et voilà, je pense vraiment qu'il était dans une situation tellement inextricable que je pense que vraiment, je ne sais pas si cet homme était marié, avait des enfants, mais en tout cas lui ça a été comme un soulagement la fin, hein. Il a été soulagé que ça s'arrête. Hein. Alors dans quelles conditions de vie il était au moment de sa mort, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a été soulagé. Bien, alors, je vais mettre sur pause et je vais prendre des cadrans. On va demander, à l'aide des cadrans peut-être, on va voir si on peut avoir des réponses plus précises. Alors, j'ai pris un cadran où il y a beaucoup de solutions. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Frédéric ? Au moment de sa mort, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui a causé la mort? Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai perte d'argent. C'est perte d'argent que vous me dites? Bon. Oui, c'est une perte d'argent. Alors, il a perdu de l'argent. Alors, très bien. Bon, du coup, je ne vais pas utiliser ce cadran. Plus. Alors, bon, vous savez que comme ça, c'est oui. Comme ça, de haut en bas, c'est non. Et quand ça va en biais comme ça, c'est que c'est préciser la question ou pas tout à fait. Alors, je vais remonter un petit peu l'écran que vous voyez bien ma main. Alors... Est-ce que Frédéric a été volontairement assassiné? Alors, est-ce que Frédéric a été volontairement assassiné? Alors là, j'ai un oui. Très
très bien. Est-ce qu'il a été assassiné par son propre côté à lui? Très bien. Est-ce qu'effectivement, les propos de cet homme sont vrais? Est-ce qu'il livrait des armes et des munitions? Bon, on me dit oui. Est-ce que j'ai compris le message? Est-ce qu'il a eu une sorte de révélation et qu'il a compris réellement qu'il était dans l'erreur concernant la situation là-bas? Est-ce qu'il a découvert des horreurs perpétrées par les soi-disant gentils? Très bien, on va poser. Est-ce qu'il a été témoin et a filmé certains actes qui auraient pu faire tomber le narratif européen? Très bien. Est-ce qu'il a été... On va reposer. Est-ce qu'il a été éliminé pour le faire taire? Parce qu'il faisait peur par rapport aux images ou à ce qu'il pouvait révéler. Très bien. Merci, arrête-toi. Arrête-toi, merci. Est-ce qu'on va le savoir par le biais d'une femme? Est-ce que l'on va l'apprendre par le biais d'une femme? Alors oui, c'est ça, voyez, il y a une femme qui va nous dire la vérité. Très bien. Alors, est-ce que cet homme est en paix aujourd'hui? Est-ce que cet homme est en paix? Non, il n'est pas en paix. Est-ce que cet homme... Alors, je vais poser une question qui va peut-être vous paraître bizarre, mais est-ce que cet homme est décédé réellement? Ok. Est-ce qu'il a été tué par un éclat d'obus au Donbass? Est-ce que cet éclat d'obus... Est-ce que ceux qui ont... Est-ce que c'était volontaire de l'éliminer? Ou est-ce que c'est accidentel? Est-ce accidentel, s'il vous plaît? Non, c'est pas accidentel. Est-ce que on savait qu'il périrait dans cette explosion? Très bien. Bon, bah c'est oui. Est-ce qu'il allait faire des révélations qui faisaient peur ici? Bon. Est-ce qu'il a eu... J'ai beaucoup de oui, donc... Est-ce qu'il était encore... Alors, on va poser une question négative exprès pour avoir un nom, parce que... Est-ce qu'il était encore dans la matrice? Était-il encore dans la matrice? S'est-il éveillé au Donbass? Bon, ben voilà, c'est ça, voyez les amis. Alors, je vais poser une dernière question. On va redemander. Est-ce qu'il peut entendre ce que je dis? Est-ce qu'il assiste à mes propos? Est-ce qu'il entend mes propos? Très bien. Bon. Est-ce que ce que j'ai dit... hop là. Est-ce que ce que j'ai dit concernant la lecture des cartes est cohérente avec ce que lui a vécu? Est-ce qu'il est d'accord avec ce que j'ai dit? Est-il d'accord avec ce que j'ai dit? Bon, c'est un petit oui. Est-ce que j'ai dit des choses fausses? Ok. Très bien. Ah, là on me dit non maintenant. Alors j'étais en train de penser, est-ce que je dois recommencer? Et là on me dit non. Très bien. Bon, bah écoutez. On va arrêter cette vidéo ici, c'est pas la peine de creuser plus. Donc en synthèse, bah écoutez, on a un homme qui est parti avec une motivation tronquée par l'aveuglement de fausses informations et de manipulation d'informations. Et qui est arrivé sur place et s'est rendu compte de beaucoup de choses. Et en fait, ah oh, mais tiens, j'ai pas utilisé mon sac encore. Sac démo, allez, on va voir tout de suite ce sac démo, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Allez, qu'est-ce qui s'est passé à Frédéric? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Frédéric? Ou non?
Puisqu'il est là, qu'il entende après ce que le pendule m'a dit, est-ce que Frédéric peut communiquer par le biais de ses... Alors, on va demander avec le pendule. Est-ce que Frédéric peut communiquer par le biais de ses jetons de mots et nous passer un message? Est-ce qu'il peut communiquer et passer un message? Bon, oui. Oui, parce que moi, je ne suis pas canal, donc je ne peux pas faire de canalisation. Et je ne fais pas de canalisation en me prétendant canal alors que je ne suis rien. Voilà, je suis honnête. Donc, parce que j'ai vu certaines vidéos où là, honnêtement, je... Oh bref, je ne rentre pas dans ce jeu-là, mais méfiez-vous, vous ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez, les enfants, vraiment. Tout ce que vous entendez. Alors... Allez, Frédéric, quel est le message que tu veux nous passer? Là, il y a le pion, c'est méfiance. Alors, est-ce qu'il nous dit de nous méfier? Est-ce qu'il nous avertit de nous méfier? Là, on a message. D'accord. Confidence. Alors, pour moi, message confidence, c'est les messages qui ne sont pas ouvertement annoncés dans les médias, qui peuvent être des choses un peu parallèles, voyez? Alors, méfiance, message confidence. Féminin. Alors, cette femme. Allez, Frédéric, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ah, j'en ai deux qui viennent. P. D'accord. Non, c'est pas ça. En fait, il nous dit qu'il est devenu méfiant quand il a discuté. Donc, il a eu un message avec des confidences. Donc, une discussion avec une femme qui, en fait, elle prône la paix, en fait. Ok. Ensuite... Sagesse. Nouveau. Ben oui, il s'est éveillé, c'est ça. Hein. Aveu. D'accord. Voilà, il a eu un choix à faire. Et du coup, ça a créé une dispute. Ça a créé une dispute et ça a coupé tout, parce qu'on a le mot silence, et ça a coupé toute communication possible en fait. Très bien. Donc là, on sait ce qui s'est passé, pourquoi là-bas il a changé d'avis, et ici, on nous dit qu'il a essayé, donc ça l'a fait changer, et que du coup, il a eu bah, une espèce d'opposition par rapport à ceux qu'il suivait. Avant son éveil. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé réellement? Comment tu es mort? Achat. Avenir. Réconcilier. Masque. Commérage, alliance. Donc masque, c'est pas le masque qu'on portait nous tous hein, jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais c'est on peut dire ça comme quelqu'un qui porte un masque qui est faux et qui commérage, qui dit des choses qui ne sont pas forcément la vérité. Je postillonne. Et là, on nous parle d'alliance. Allez, qu'est-ce que tu veux nous dire? Demande. Passé. Orgueil. Âme. Durable. Nature. «
En fait, ce qu'on lui a demandé a gonflé son orgueil par le passé. Comment dire ? Vous savez, l'expression « son âme et conscience » a pris en fait le dessus et revenu au naturel. Il a abandonné la manipulation en fait. Ok, bon, tout ça on est d'accord. Mais ça je vais les laisser comme ça, ils ne ressortent pas. Oh, quoi que je peux les remettre. On va demander maintenant une dernière question. Parce que la vidéo va être encore très très longue. Et je m'en excuse. Mais vous savez, moi j'aime bien comprendre les choses jusqu'au bout. Tant que j'ai pas de certitude, je continue. Allez, Frédéric, on va prendre une dernière ligne. Qu'est-ce que tu veux nous dire pour éclairer en fait le mystère de ta disparition? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Excuse, ok. Innocence, bon, ok. Message, d'accord. Erreur, ok. Capacité. Allez, une dernière. Un dernier mot. Attraction. Ben là, ce qu'il nous dit, en fait, c'est que ben, il est... En fait, il s'excuse de ce qu'il a fait ou ce qu'il a pu faire ou ce qui a pu arriver par son biais. Parce qu'en fait, il était dans l'innocence, dans la méconnaissance de la réalité. Et qu'en fait, il était dans l'erreur, dans le message qui passait, il était dans l'erreur. Et que, en fait, capacité d'attraction, parce qu'il avait une capacité, en fait, à dire les choses, mais... Voilà, dans son travail, c'est ça. Par rapport à son travail. En fait, il a été induit en erreur et du coup, lui-même a continué à diffuser des messages d'erreur. Et donc, il s'excuse et il vous dit qu'il est innocent. Il nous dit qu'il est innocent et que c'était pas en conscience, en fait. Voilà. Bon. Mais tout ce qu'on peut souhaiter à Frédéric, c'est de retrouver ben, la paix et de pouvoir faire son... Comment dire, sa rédemption, voilà, et qu'il puisse ne plus culpabiliser, voilà. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, mes amis, bon, écoutez, je ne sais pas si cette vidéo vous plaira, mais en tout cas, voilà, une petite enquête pour essayer de comprendre les choses. Donc, bon, écoutez, ce soir, je mettrai une petite bougie pour Frédéric, voilà, pour son âme, pour lui montrer que j'ai entendu son message et que... Et que je respecte, voilà, c'est son mea culpa qu'il a fait, voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt mes amis pour un nouveau tirage. Au revoir.